Alors, ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, clairement, ce n'est pas Total qui va driver l'usage sur la mobilité. Aujourd'hui, si on se met en situation d'un automobiliste qui quitte le matin son domicile pour se rendre vers un lieu de rendez-vous, il va plutôt ouvrir Waze que l'application Total Service pour qu'on l'accompagne sur son parcours. Par contre, ce qui est fondamental pour nous, c'est de savoir à quel moment on va engager ou toucher, être en capacité à déterminer le moment clé dans la relation client, dans la phase de mobilité. Alors, il y a deux aspects. On peut voir les choses de deux manières. C'est soit je fais du drive-to-store et j'essaie de faire en sorte que quand il monte dans son véhicule le matin, il va ouvrir mon application Total. Ça peut passer par de la notification, ça peut passer donc par du push d'information. Ou alors après, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est d'être en capacité à capter le client quand il est sur le point de vente. Et ça, c'est très important. Et on regarde actuellement comment on peut faire avec le Beacon pour faire en sorte qu'un client qui a téléchargé l'application Total, lorsqu'on le détecte sur le point de vente, on est en capacité à interagir et lui pousser des offres. Donc, c'est-à-dire que sur la mobilité, oui, on considère que Total est acteur de la mobilité, mais on est un des éléments dans la mobilité des utilisateurs et on sait que ce n'est pas notre application qui va arriver à les usages. Donc, c'est comment trouver notre place dans ce parcours. C'est assez complexe. Et on est en train de regarder ce qui se passe dans le véhicule connecté, parce que là, on est légitime à y être. On fournit du carburant qui fait avancer le véhicule, on fournit des lubrifiants. L'utilisateur peut laver son véhicule. Et quelle place Total a dans le véhicule connecté? Pour le moment, ce qu'on pense, mais ça peut évoluer, c'est que dans le véhicule, je rentre plutôt avec mon smartphone et que l'écran connecté du véhicule, pour le moment, n'apportera pas, si ce n'est d'être un écran esclave de mon smartphone. Donc l'expérience, elle est très smartphone pour le moment dans le véhicule, mais on regarde beaucoup comment Total peut interagir avec le conducteur et pourquoi pas ses passagers. Parce que dans la logique de déplacement, ma cible, c'est le conducteur qui va s'arrêter chez Total. Mais quand il s'arrête chez Total, le passager, il a aussi potentiellement, il est en capacité à acheter des produits dans la station. Donc c'est imaginer de nouvelles cibles que sont les passagers et comment interagir avec eux avec une application.